Salut les manchots, carte mère MSI, modifier l'ordre des démarrages des disques durs et désactiver le Secure Boot. C'est parti. Le modèle de la carte mère, c'est une MPG P550 Gaming Plus. J'appuie sur la touche F11 pour afficher les boots de démarrage. Voilà. Donc j'arrive sur les boots de démarrage qui sont disponibles. Là, j'ai le disque dur Kingston et je vais passer le disque dur Gigabit en prioritaire. Pour cela, il faut aller dans le BIOS UEFI. Je fais Enter Setup. Je valide avec la touche Entrée. Alors, il y a différents modes pour utiliser le BIOS MSI. Là, je suis en mode simple utilisateur. Je vais donc pouvoir consulter les boot priority qui sont présents ici. Alors, je peux modifier l'ordre de démarrage du disque. Je vais pouvoir le passer après le lecteur DVD, après la clé USB ou même en dernier après le réseau. Mais là, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Je vais donc le repasser en mode prioritaire puisque là, je n'ai accès qu'au disque dur Kingston. Je n'ai qu'un seul disque dur qui m'est présenté. Alors, j'ai des infos ici sur la mémoire, le stockage. Je suis en mode ASCII, hein, c'est ce mode-là qu'il faudra prioriser. J'ai des infos sur les ventilateurs. Ici, je suis bien en mode UEFI. Donc, je peux passer en mode CMS, mais il faut rester en mode UEFI avec les nouvelles générations de PC. Ici, je reste en mode ASCII. Hein. Donc, ce mode-là, il faudra le choisir. On peut même désactiver ici des LED. Mais vous n'aurez pas d'option pour modifier l'ordre de boot de démarrage ni pour modifier le Secure Boot. Pour cela, il va falloir aller tout en haut ici et passer en mode avancé. Là, je suis en mode avancé et j'ai des options supplémentaires. Mais c'est toujours pareil, j'ai toujours cassé que au disque dur Kingston. Je n'ai pas d'options supplémentaires ici. Pour cela, il faut cliquer sur Setting et nous allons aller dans la configuration. Vous cliquez sur Advanced et là, dans l'option qui se trouve ici, Windows OS Configuration, vous allez pouvoir consulter votre Secure Boot. Alors, je suis bien en mode UEFI et je clique sur l'option Secure Boot. Là, je le vois, le Secure Boot est désactivé. C'est ici qu'il faudra désactiver le Secure Boot. Je reviens donc en arrière avec la petite flèche ici ou avec la touche Escape. Ensuite, je vais modifier l'ordre de boot de démarrage des disques durs. Je vais dans Boot et là, j'ai une liste avec les boots prioritaires. Donc là, j'ai bien mon disque dur qui est en prioritaire. Ensuite, j'ai le lecteur CD. Mais je n'ai qu'un seul disque dur de disponible. Si je clique sur le disque dur, c'est le disque dur Kingston qui est présent ici. Donc ce n'est pas ici que je vais pouvoir modifier l'ordre de boot de démarrage de mon disque dur. Il faudra aller dans l'option supplémentaire ici, UEFI Hard Disk Drive BBS Priority. Et là, je vais pouvoir modifier l'ordre des disques de démarrage. Ici, j'ai le Kingston, donc c'est celui-là qui est en prioritaire. Et pour passer sur l'autre disque dur en prioritaire, je vais cliquer ici sur le Gigabit. J'active le disque dur Gigabit. Alors ici, l'option ne s'affiche pas pour l'instant. On est toujours sur le Kingston. Je reviens. Mais là, je suis bien passé en mode Gigabit pour le boot numéro 1. Je reviens donc en arrière. Et là, si je clique sur l'option de boot option numéro 1, vous allez voir, c'est le disque Gigabit qui est passé en prioritaire. Donc, je vais pouvoir sauvegarder la configuration. Ici, c'est toujours Kingston, mais ne vous inquiétez pas, hein, c'est le disque dur ici qui sera validé pour le démarrage de l'ordinateur. Ensuite, pour sauvegarder, il faut appuyer sur la touche F10. Et là, il va vous donner les infos sur les modifications que vous avez faites dans le BIOS. Ici, juste pour info, il faudra éviter de cliquer sur les options qui se trouvent ici, hein, parce que si je clique, ça active des choses. Là aussi, ça reste activé. Donc le principe, si on ne sait pas, on ne touche pas. Donc ici, c'est des options qu'on active ou qu'on désactive. Ici, c'est pour consulter des options. Ensuite, je ne maîtrise pas trop. Alors, évitez de passer en français. Si le BIOS fonctionne en anglais, autant le laisser en anglais. Il n'y a pas grand-chose à faire dans le BIOS, donc laissez-le en anglais de préférence. Ensuite, on a les options ici, Save on Setting. Mais généralement, la touche F10 va faire le travail. Alors ici, on a Boot Overdrive. Donc je vais tout simplement appuyer sur la touche F10 pour sauvegarder. Là, il me dit
les options que j'ai modifiées, je fais Yes. Et là, l'ordinateur va redémarrer et nous allons démarrer sur le disque gigabit. Et là, j'ai installé Ubuntu 21.04, donc c'est la 21.04 qui va démarrer. Et voilà, comme vous pouvez le voir ici, ça c'est la Ubuntu 21.04 et sur l'autre disque dur, c'est la Ubuntu 20.04. Voilà pour la modification du BIOS MSI. Je vous dis Kenavo et à bientôt.